patent that boots, will you? Polish, and bring us a bottle of soda water. Now, what about that inspector? Police. On m'a demandé. Is that the inspector? Mais qu'est-ce qu'il a? Commissaire, inspector. Ah, ah, c'est ce monsieur qui m'a demandé. Yes. Vous n'avez pas peur, vous ne pourriez pas vous déranger pour venir jusqu'au commissariat. Yes. Il n'y a pas de dire ce qui tienne, c'est l'usage. Yes. Oui, enfin, je vois que vous êtes un homme bien élevé, mais il faudra voir une autre fois vous conformer aux habitudes du pays. Yes. Interprète, venez donc. Monsieur est sans doute un étranger. Il ne sait pas un mot de français. Mais comme je ne sais pas un mot d'anglais, nous sommes faits pour nous entendre. Voilà notre interprète. Ah, eh bien, faites-lui raconter son affaire. Oh, interpreter. Yes, yes. Interpreter. Tell him I'm James Hodgson from Newcastle on Tyne. Tell him I have five daughters. My second daughter, Betty, ran away from home with a young gentleman called Mr. Cy Candle. Go on, tell him. Tell him. Tell him, I say. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, oh, c'est très compliqué, c'est toute une histoire. Monsieur que voici est anglais. Oui, je le sais. Oui, moi aussi. Et il vient pour visiter Paris, comme tous les Anglais. C'est pour ça qu'il fait chercher le commissaire? Attendez, 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 laissez-moi le temps de traduire. Tell him also that this young man is a Frenchman, and a clerk in a banking house at St. James Street. Oui, justement, yes. Justement, pourquoi un Anglais, à peine arrivé à Paris, peut-il avoir besoin de commissaire? Pour un vol de bijoux, un vol de portefeuille, n'est-ce pas? Monsieur descend du rapide. Tell him that this young man is... L'affaire. Yes, yes. Monsieur descend du rapide à la gare du Nord et un individu se précipite sur lui, il lui prend son portefeuille. Very good. Absolutely right. Very good, yes. Yes, eh ben, oui, c'est pas dur. Et le coup a été si rapide. Mais vous avez dans deux portefeuilles? Hmm? Il a deux portefeuilles? Ah, toujours. Ah, toujours, les Anglais. Yeah. I'll show you what it looks like. Photo. Photograph. C'est la photographie de votre voleur? Yes, yes. Now, my men, I rely on you to start all inquiries. Thank you. Thank you very much. Oh, ils sont étonnants, ces Anglais. Hein? Oui. Un inconnu les bouscule et les vole et là, ils ont sa photographie. Et voilà. Et comment a-t-il fait? Hein, comment... Ah, mais je ne vous ai pas dit que l'homme qui l'avait bousculé était un homme qu'il connaissait très bien. Ah, non, non, non. Ah, comment s'appelle-t-il? Demandez-le lui. Il faut que je le lui demande. Eh oui. Ah, mais non, il m'a déjà dit son nom. Il s'appelle John. John. John, John. John Rooks. Comment ça s'appelle? W. W-K-M-P-R-T. Oui. P-R-X. X. X. Mais comment diable prononcez-vous ça? Rooks. Enfin, j'ai pas mal de renseignements, je vais commencer d'actives recherches. I didn't catch a word of what he said to me. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est fatigué. Je crois qu'il va aller se coucher. Ah bon, ben je m'en vais alors. Je vais commencer des recherches actives. C'est ça. Hein. Allez, recherchez. Hein. C'est ça, merci encore. Et recherchez. Interpreter, what did he say to me? What did he say to me? What did he say to me? Yes, yes. Yes, yes, oh. Qu'est-ce qu'il dit? Rien. Il n'a pas l'air content. Demandez-lui ce qu'il a. Non, non, faut le laisser tranquille. What kind of an interpreter are you, anyway? Mais qu'est-ce qu'il a donc? Non, il demande qu'on le laisse tranquille. I wonder if this interpreter of yours even knows a single word of English. Répondez-lui. Non, il dit que si on a le malheur de lui parler, il quittera l'hôtel tout de suite. Mais c'est un fou. Yes. Bad. Bad, bad. Bad interpreter. Mauvais. Mauvais interpreter. Mauvais? Yes. Oh, mauvais. Savez-vous seulement ce que ça veut dire en anglais, mauvais? Look here, madame. I've never seen such a damned hotel in all my blooming life. Never. And such a curse full of an interpreter, either. Do you think I've come all the way from London to be laughed at? It's the last time I get a room in your damned inn.